to Lennon joined us. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Colisée Pepsi dans la merveilleuse ville de Québec. Well, fans, we do welcome you to the Pepsi Coliseum here in the beautiful city of Quebec for a big night of action coming your way, brought to you by Interbox in association with Dabella Entertainment and Warriors Boxing. This bout coming away is sanctioned by the IBF, the President Daryl Peoples, Supervisor Lindsay Tucker. Introducing our judges at ringside, les juges pour ce combat. From the United States, Deborah Barnes. From Canada, Sylvain LeBlanc. And from the United States, Jerry Roth. And our referee in charge, Jean-Guy Brousseau. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the vacant IBF Intercontinental Junior Welterweight Championship. Introducing to you first, on my left, fighting out of the blue corner, dans le coin bleu. Wearing black trunks with gray trim, fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of the Bronx, New York, in the United States. He weighed in at 139¼ pounds, with a record of 25 wins, 2 losses, and 1 draw. He has 17 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing the former NABO lightweight champion, Vuye Akuye, Georgie the Truth Terron. And his opponent across the ring in the red corner, dans le coin rouge, wearing red trunks with black and white trim, hailing from Quebec City, La Ville de Québec. He weighed in at 140 pounds even, undefeated in his campaign in the ring with a record of 17 wins, no losses, 11 wins coming by way of knockout. Introducing the former Canadian junior lightweight champion, Vuye Akuye, Pierre-Olivier Apukonte. Once again, a referee in charge, Jean-Guy Brousseau. Qui va maintenant donner ses instructions aux deux boxeurs. On devrait noter aussi Jacques Eddie Mustapha Mohamed, ancien champion du monde, qui est l'entraîneur de George Terron. Et Jean-Guy Brousseau du Québec. Oui, de Québec. C'est ça. On va voir maintenant le face-à-face entre ces deux boxeurs. 26 ans pour Terron, 27 pour Côté. 5 pieds 8 Côté, 6 pieds Terron. 140 livres à la pesée pour Côté. Il a eu chaud 139,3. Terron est devenu professionnel en 2005. 2008 pour Olivier Côté. Oui, 140 livres, hier. Il était vraiment sur la ligne, Pierre-Olivier Côté. Mais c'est là que t'es supposé être, sur la ligne. Alors, vous avez entendu la réaction. Les gens ici étaient debout au Colisée Pepsi. Et c'est parti pour 12 rounds. Pierre-Olivier Côté avec la culotte rouge. Terron, la culotte noire. Dès le départ. Côté agressif. Évidemment, les gens vont réagir, le public va réagir à chacun des coups de Côté. Et genre, la belle combinaison. Gauche-droite, gauche-droite. Et encore une fois, Côté très agressif dès le début de ce combat. Belle main droite. Un crochet qui a été partiellement arrêté par Terron. Côté qui tente d'établir son jab. Il est grand, Terron. Il a une longue portée. Et Côté, l'agresseur jusqu'ici. Fait reculer Terron. Oh! La main droite spectaculaire et puissante. Encore une fois, la Terron a été sonné. Terron cherche à sortir de là. Il revient. Ça, c'est un bel exemple de l'explosivité et l'athlétisme de Pierre-Olivier Côté. Un jab unique. Et ça, c'est le danger. Toujours Jacques le lancer, un jab unique. Et bang! Un foudroyant droit qui a passé par-dessus et a vraiment ébranlé Terron. On est à mi-chemin dans le premier round maintenant. Terron qui se rapproche. Il doit
essayer de tirer profit de sa longue portée, mais là, il n'est pas capable. Parce que c'est Côté qui est l'agresseur systématiquement. Encore une fois, la main droite. Hedjal, de Côté. Terron démonte une fantastique mouchoir, je vais dire de quoi. Ben, il l'a montré, fait... il l'a montré contre Rios, oui, aussi, contre Brendan Rios aussi. Oui. Encore une fois, la douane de Côté en crochet. Le jab. Le petit uppercut encore dans la main droite. Les coups pleuvent. À fou l'agresseur depuis le début de ce round. Encore une fois, un uppercut à la droite. Un crochet à la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Oh! Et là, Terron a placé. A placé une main droite, puis aussi, qui a fait reculer Côté. Ce coup-là a fait mal à Côté. Il est en train de finir Terron, puis... Et là, Côté qui revient. Il a été surpris par ce coup de Terron. Oh, boy, hey! Impossible que ça peut continuer pendant 12 rondes! Hey! C'est le premier round! Hagler Hearns. Oh, boy! Quasiment, hein? La Côté qui revient des deux mains. Terron qui tente de rappliquer. Wow! Wow! Quel round! On va aller dans les coins. How do you feel? OK, you took it. Reprise. Ça, c'est le premier, oui. Le premier main droite. Je pense qu'on va voir. Le jab sort de Terron. Je pense que c'est... Est-ce que c'est... Ah! On va peut-être mieux le voir dans cette reprise. Le jab tient. Voilà, oui. C'est ça. La là, il l'a fait mal. Oui, encore. Et là, il vraiment pensait qu'il était pour être capable de le finir. Et plus tard dans le round, Jacques, regarde ça. Oui. Des coups, des rafales de coups de la part de Côté. Et regarde la main droite qui s'en vient. Bang! Côté rentre complètement surpris. Il l'a jamais vu venir. Jamais vu venir. Non, ils ne peuvent pas faire ça pendant 12 rounds, Ross. Non. Et si, et s'ils si font ça pendant 12 rounds, ça va être le combat de l'année. Oui. Dans le monde. François Duguay, l'entraîneur de Pierre-Olivier Côté. Un bon entraîneur, François. On revient pour ce deuxième round. Qui se retrouve au tapis. Encore l'explosivité de Pierre-Olivier Côté. Gauche, droite. Et là, la nez saigne beaucoup. Oui, il a cassé le nez. Sûrement. Et Apo qui reprend de suite. Oh! Encore une fois. Et c'est fini. Et là, c'est terminé. Oh, il fait. Il ne peut pas se lever. Non, impossible. Oh! C'est terminé. Et écoutez le public, on va écouter le public. Lance sur l'attaque, regarde! On va le voir, le début du round. Sorti. Voilà. Oui. Il sort, regarde ça! Bang, bang! Basic boxing! Ouais. Gauche, droite, un, deux! Pour un droitier. Pour un droitier, c'est sûr. Parce qu'on va voir un gaucher tantôt. Oui, regarde, bang! Là, encore une fois... Là, il y a eu comme un petit crochet de gauche, ensuite le crochet de la droite. Et... Ça, c'était solide. Il n'y avait rien à faire, évidemment, la fin du combat. Coup au corps et la tête, et cette fois-là, ben, c'était une gauche. Et là, c'était terminé. Quel crochet de gauche! Regarde encore! Droite au corps, crochet à la tête. Encore il là. Il était figé c'est, là. C'est technique parfaite encore. Oh! Parfait, parfait, parfait. Pierre-Olivier Côté, donc, qui est champion intercontinental de l'IBF. Un beau titre pour le jeune homme. 33 seconds in round number two. He is the winner by way of knockout. He is still undefeated. He is the new IBF Intercontinental Junior Welterweight Champion, Pierre-Olivier Apou!